Ça fait comme nous, bienvenue dans l'autre épisode. Kourim, c'est avec vous, amis Paul Luther. Jeudi, nous avons avec nous, co-host nous, Jude, qui est bon côté nous là, qui parlait de nous faire épisode ça, qui parlait de nous faire interview ça. Jeudi, nous avons avec nous, invité spécial, invité ça. Mais c'est un investment banker et mais c'est fait élevé à Haïti. Et mais c'est venu site, on capable dire après 12 janvier. Nous tous connaissons ce qui s'est passé 12 janvier. J'ai une fait étude ici, il a étudié economics et puis monsieur tout son jeune qui a fait un pile et bon travail dans la communauté à travers organisation ni créé What If Haiti. Emmanuel Boder, bienvenue dans le podcast Kourim. Et Luther, je merci parce que nous invitons bien content avec nous matin pour nous parler de parcours moi je pense que nous avons un travail qui est vraiment important pour que nous motivions les jeunes et nous partageons connaissances tout. Nous trouvons que nous avons aidé un pile de jeunes, pas seulement en Haïti, jeunes qui sont tous côtés dans le monde qui ont parlé de podcast. Je suis bien content avec nous, je veux dire. Bon bagay, brother, bon bagay. Bon, avant même nous entrer dans l'épisode là, et parlez peuple de qui est souillé et qui sont fait, man. Bon, en gros, moi, fait élevé Haïti, moi, j'ai fait en cahier. À l'âge de 14 ans, moi, j'ai entré pour Port-au-Prince. Et en tant que Port-au-Prince, j'ai fait business. J'ai commencé business, moi, j'ai gagné. Et 15-16 ans, j'ai commencé en sandwich compagnie, quand j'ai fait vendre sandwich. Dans pile l'école Haïti, l'école PAM, toute l'autre école. C'est là où j'ai commencé à apprendre de tête, moi, que j'ai aimé entrepreneurship. Et puis, en 2010, à cause de Goudou, moi, j'ai rentré aux États-Unis. Et puis, c'est là où j'ai commencé tout le bagage. Moi, à l'école, à l'université, moi, gradué en économie. Et puis, ça fait 5 à 6 ans depuis ma travail as an investment banker. Moi, j'étais dans des banques différentes. À un moment, je travaille pour une banque française qui est la Société Générale. Bon bagay, man. Bon bagay. So, qui côté ou sorti en Haïti, man? Moi, j'étais fait en cahier. En cahier dans une zone, et Côte des Acadins. Nice. Pas voler le nom. Côte des Acadins, c'est pour moi seulement lié. Mori. Dans la zone Boca Jude, c'est Nebem, you know. Ouais, that's nice. Donc, à partager, pas de problème. Mais nous connaissons qu'en cahier, c'est un côté historique. Tout, c'est là que drapeau Haïti en tes coudes, Catherine Flon. C'est à Kael, tes coudes drapeau, hein, son côté historique. C'est ça que je fais. Chaque 18 mai, nous avons un président qui a fait du drapeau à leur Kael. Bon bagay, man. C'est vraiment important pour nous, pour te mentionner ça, tout, parce que c'est pas seulement mon en Haïti qui a fait des podcasts là. Nous avons un pile jeune haïtien et haïtienne qui fait ici aux États-Unis. En pile nan yo poko même comme si aller à Haïti yo pa kon trop de histoire là à part de ça quelques parents yo di yo donc m pense c'est vraiment important pour te mentionner que AKS c'est ville drapeau en Haïti c'est la drapeau à te coude yo dab ki te les Catherine Flon ki te coude li et chaque 18 mai j'en di an et nous tout et AKS toujours recevoir visite président al fêter ensemble avec moun yo by discours et un pile bagay. Bon, merci un pile parce que vous mentionnez ça. Parce que c'est vraiment important pour un pile jeune haïtien, surtout qui est ici aux États-Unis, pour comprendre ça et entendre ça. Merci un pile. Évidemment. On avance rapide, vite. Bon, le Pam, ou mentionnez-vous Léa ou c'est un investment banker? Faut-il expliquer qui ça, Simon? Bon, ça est vraiment broad. Moi-même, ça me fait. Moi, je travaille pour une banque. Nous focus sur pour bail compagnie en pile loan mais plus compagnie que nous travaillons sur des compagnies ça les publicly traded companies ça veut dire c'est des grandes compagnies qui gagnent revenue from billions of dollars so nous on dit si vous besoin investir nous bail des loans si vous besoin faire des achats quelque chose ça vous besoin yo vienne côté nous bail des loans ça me fait dans banque là avant que nous bail loan travail pas c'est pour me faire un pile recherche sur compagnie ça pour nous comprendre combien de corps vous faites, combien d'emplois vous gagnez, est-ce que vous êtes involvé dans des activités qui sont illégales, quelque soit ici tax fraud, quelque soit ici terrorist financing. Donc, so, travail, moi, c'est pour bien apprendre de clients ça, avant pour banque là recevoir et bayo loan ça. Donc, so, c'est ça. Moi-même, je fais une partie qui est investment banking. Ouais. Je voulais comme si
éclairé pour mon Haïti au capitaine de qui pas de trop connaissance dans anglais. Investment banking, nous carrément le sens banquier d'investissement. Cela veut dire monde qui vraiment comme si et fait étude sous compagnie, ensemble avec banquier, le travail pour que compagnie ça rejoigne quelques prêts. Donc c'est ça que qui est l'honneur exactement, c'est prêt. Et compagnie qui ça c'est déjà très 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 public ou bien grand compagnie qui gagne pile comme. Et c'est ça et Emmanuel voulait dire qu'il est fait. Donc nous qu'a avancé Emmanuel en classe. Est-ce qu'on a dit en classe tout qui ça qui intéressé ou t'es rentré dans le domaine que où il est ou bien qui ça qui t'a inspiré pour rentrer dans le domaine ça? Yes, absolutely. So depuis avant de commencer l'université, je me posais une seule question. Pour qui ça me va à l'école? Et me t'ai allé dans le collège pour une seule raison, c'est pour me t'ai faire comme. So dès que me fin répondre question ça, deuxième question me poser tête moi c'est qui ça me capable apprendre dans collège en façon dès que me gradue pour me capable faire le plus comme que possible. So me t'ai gain deux choix d'après recherche que me fait, me t'ai gain c'est ou soit m'étudier finance ou bien moi étudier économie, en plus dans affaire behavior dans économie business, me décider étudier économie et puis depuis avant me graduer, me commencer à travailler dans banque, apprendre des expériences et puis évidemment, c'est ça, c'est pour ça me décider faire ça. C'est juste pour faire plus comme que possible parce que me dans connait vision, c'est pas pour retravailler dans institution ça ou pour la vie, vision c'est pour utiliser les ressources que institution ça ou bon, moi quelque soit c'était connexion, quelque soit c'est comme que m'a fait en façon capable investir là quand moi capable investir dans business mon bagage que moi rien bon bagage men bon bagage ben entrer dans domaine ça men c'est pas un bagage tant que et pas ouais tant que c'est pas it's not the norm tant que c'est pas ça tant que majorité haïtien fait right c'est pas tant que docteur ingénieur bazao qui qualité et challenge et ou tu enduré pendant avant entrer dans domaine ça. Je pense que c'est pas juste pour haïtiens en général, c'est malheureusement nous pas joindre en pile mon noir dans investment banking, but gain pile challenge even les fin entrer as a banker still a face the challenge parce que c'est pas des industries qu'on doit joindre en pile mon noir et même si on entre il est difficile pour avancer comme si faire des hauts niveaux malheureusement, mais en termes avant de commencer me t'étais à utiliser une bonne mentalité c'est qui ça qui ressource que moi gagner dans situation ça en façon utiliser tout en faveur et là maintenant collège je m'étais parlé quatre langues, je parlais anglais, français, espagnol, so ça t'a aidé. Oh, nice. ça t'a aidé et comme si là vous résumé bah, en compagnie me dit oh, I speak four languages et puis comme si ça langage c'est bon mon avantage et puis l'autre bagage qui était bon mon avantage je me songe avant de commencer à travailler dans la première banque, moi, ça me fait de travailler dans la law firm, dans le bureau d'avocat gratis, en façon pour me faire build up résumé. Oh, nice. Et à cause de l'expérience, l'on banque garde et dit OK, monsieur travaille dans le bureau d'avocat, monsieur parle quatre langues, et vous avez dit, monsieur, le premier banque que je travaille avec, c'était son banque canadien, c'est TD Bank. So they speak French, so you're IEM pour français là et puis you know dès que on rentre il est plus facile pour continuer à travailler dans la banque et puis il était tombé JP Morgan tout côté qui était mettre mon département c'est espagnol seulement tout client nous était gagné c'est espagnol. So pense que le langage là c'est une bagage qui aide en pile as a Haitian guy or not just Haitian en tant que homme noir et puis économie il a une chance opportunité pour aller à l'école Saint John's University qui sont l'école qui bien renommée dans New York là sur so, les banques ça regarder yo trouver que résumé belle et puis yo dit il y a bonne chance et puis dès qu'on rentre on prouve que au café travail là puis bien que tout le monde qui est dedans so, ça vient d'avoir plus incentive pour yo kembo pour yo kembo but you know c'est même mentalité ça même philosophie ça nous même toujours prêcher c'est qui ressource que nous gagner qui je nous capable utiliser toutes ressources en faveur donc quel que soit sa ressource ça. So yeah. OK. J'ai entendu parler de ou t'as parlé de challenge en classe. Et pour question qui va venir après, je pense ou gétant dit nous un bagage de livre et pour mon capitaine de exactement. Et ou t'es parlé de ou t'es obligé prendre un stage ou bien un internship dans
yon firm da avoka. Donc, sa sa rentre nan premier, nan premier etap ki yo te fè yo. Est-ce qu'on a dit nous en titre classe, comme si on étudiant, on jeune haïtien avait étudié l'économie, soit en Haïti ou bien à l'étranger, yo ta remè comme si rentre dans le domaine qui yo yé. À part de stage que yo te gagné, ou que yo te gagné, peut-être élan que yo te gagné, tout qui peut-être qui l'autre étape ou bien yon ou deux l'autre étape que ou même ou te essayé prend juste pour te faire rêve ça yon réalité qui c'est travail dans banque là. Et moi m'ka plus parler de étape que m'pas prend que I wish que m'te souhaité que m'te connais but malheureusement pas te connais. Premier bagage là c'est qu'un GPA le plus haut que possible. Parce que gen dans l'école Saint John's en pile l'école gros compagnie ça au JP Morgan Goldman Sachs so yo aller dans l'école ça depuis as a student you get a fair recruitment et you na critère que yo gagne c'est élève qui gagne plus gros GPA plus gros note c'est élève ça après moi m'pas fait catégorie dans élève qui gagne gros note so c'était un genre de rater ça parce que m'pas compte importance pour qu'un bon gros GPA. Deuxième bagage là que me pense c'est une bagage qui plus important c'est networking. Ça veut dire si ou l'école ou étudier économie ou bien finance, une bagage qui plus important toujours dire c'est networking. So et essayer comprendre dans qui industrie ou voulez entrer et qui monde qui dans industrie ça, voyons email écrit sur LinkedIn, commencer connecter à monde ça yo, même si monde ça pas ca bon travail, monde ça ca bon conseil, monde ça ca bon référence et tout ça. So networking aspect c'est une bagage qui manque. C'est une bagage m'a encouragé dans moment pile monde qui attend des podcasts ça, networking is everything. Et c'est pas juste entrer dans investment banking, tout ça m'a fait tout ça fait, exactement. Business. So networking aspect c'est un bagage qui est vraiment important. Bon bagage, je suis bien content de mentionner ça parce que networking là parce que c'est Jean t'a dit c'est un bagage qui pral ouvrir un pile barrière pour vous. Et me garder dans communauté là des fois nous pas network parce que tant que nous gens peur ou bien nous pas connait comment mon pas recevoir nous bien nous peur pour mon pas rejeter nous bail ça. But you know c'est un plus gros moyen pour capable connecter avec monde qui dans domaine ou et puis pour capable entrer là-dedans. Definitely. Bien content mentionner ça. So, dans tout parcours ça men, est-ce que gon bagay si ou t'a refait parcours ça, est-ce que gon bagay ou t'a fait est différent? Mon cher gars, pile bagay m'a fait différent. Faut me dire ça, l'aime t'es Haïti malheureusement, mon pas prend éducation sérieux du tout. Ça veut l'éducation, l'école, les livres, bah ça c'était dernière priorité. Sou lè mwen tre aux États-Unis, mwen te gen mwen ben menm mentalite ya, kote ki a edukasyon, l'ekol, ba sa ou se, you know, se pa mwen priorite, e mwen te fè 2 États-Unis kote ki mwen pat kapab regle anye vreman. E problem ki te gen, mwen te vin tro gran pou menm al nan high school, paske mwen pat graduye high school e Haiti. So e sak fè mwen te oblije al pran GED parce que pas bien à school qui devrait accepter et même pas quand aller en collège parce que même pas de graduate school je me dis obligé à prendre GED c'est comme un cas écrit GED c'est comme si c'est un certificat pour monde qui pas de graduate school exactement yeah. So, c'est pas cool ça m'était obligé de faire et c'était difficile dans la ville parce que avec un GED très difficile pour entrer dans une grosse université. So, ça me fait prendre GED hein, et puis mal dans community college me fait un semestre me kembe dans GPA 4.0 dans community college là. Et c'est avec GPA ça moi appliqué dans l'autre université qui go côté que Saint John's University ba mon scholarship yo accepté so et puis go erreur me fait pas apprendre pas comprendre importance éducation et le plus que m'a grandi et même le fin graduate université moi ouais que éducation aller au-delà de ça yo apprendre dans l'école vraiment éducation c'est ça nous même apprendre donc ça les self education là quel que soit c'est livre nous lire quel que soit c'est vidéo nous regarder sur YouTube dans quel que soit aspect ou intéressé à je pense c'est vraiment important pour nous continuer à éduquer tête mon dans sujet que nous la donne et dans industrie que nous la donne. Pardon de dire ça, et ma PC est sauté, et l'autre question que nous avons pour peut-être nous retourner là-dedans, pardon de parler des livres que nous lisons. Actuellement, moi, suivre Instagram, moi, ouais, que presque chaque lundi ou bien chaque semaine, que vous baillez un petit, ou faites un petit comme si critique de un livre que vous appelez,
parler de ça là-dedans ou parler des points forts livre là et d'autres petits bagages encore dans livre là. Parler non petit crasse de ça qui ça te pousse au faire ça plus même l'on parler de ou dit comme ça c'est ou comme si parler apprendre de domaine où il y a un lien dans livre que il lit livre dans domaine où il y a qui ça te pousse au plus pour surtout lire ça yo et en plus faire live ça sur Instagram et presque chaque semaine dans tout juste parler non petit crasse. So, moi commencé, moi son premier livre moi li c'est l'enfin grade au collège. Ça veut dire bah qui est les lectures, les livres, c'est pas bah qui était dans to-do list moi du tout. Même l'enfin grade université, me trouver dans une situation qui était vraiment difficile. Me pensais que et comme si me sentais pas apprendre assez à l'école et me gain doute tout comme si quelque soit si possible pour me al prend master moi ou pas et puis ça me songe j'étais un frère qui était bon mon conseil il dit Emmanuel s'ouvre vraiment bien smart bien intelligent faut ou lire chaque jour et là ça me commencer à prendre des informations commencer à suivre des monde que me trouver que me considérer comme role model mais tout le monde ça va dire même bagarre faut ou lire c'est là ça me prend premier livre moi commencer à lire me songe c'est un livre qui était les Give and Take by Adam Grant Give and Take, comme les premiers livres, tout le monde apprend un peu de la dans le deuxième, le troisième. Je ne pas bon matin. Pour l'homme de fin graduer, dans moins que deux ans, à cause de livres, à cause de bagages, je suis arrivé quoi jours pour un commun, juste à cause des théories, juste à cause de bagages. Nice. Juste à cause de bagages que je suis appris dans le livre. Et c'est une bagage que je encourager c'est une raison pour faire Instagram ça et vidéo ça sur Instagram pour encourager plus monde pour lire avant de commencer lire pas vraiment compte qui ça me d'avoir jeune mais dès que me commencer le changement que lecture ça au fait et pas juste dans vie professionnelle moi dans vie personnelle moi tout comme ces gens ou traiter monde qui alentour tout des styles de leadership que bagage ça au bas moi me trouver que l'important c'est ça fait me faire vidéo ça pour encourager plus monde pour lire et pour partager connaissances et pour apprendre ensemble. Yeah. Bon bagage man et me souhaite tout monde cap tande et podcast ça là cap tande épisode ça puis aller suivre vous talk to e t a l k 2 e bon bagage man. Bon bagay. So, nous parlons censé transitionner, Kounia, et nous parlons poser quelques petites questions qui paraissent personnelles, mais qui pas tellement trop personnelles. Parlez-nous des pigou leçons ou apprendre dans la vous, man. Pigou leçons que m'apprendre. Yeah. Mon cher, nous songez, l'homme de Haïti, man, quand il s'agit comme c'est des États-Unis, je pense que les États-Unis sont pays qui vraiment facile, on va dire ici c'est moi ça facile. Et puis les tremblements de terre passé dans moins que 10 jours moi même avec frère nous prend décision d'avant retraite. Bah bon mais si nous rentre aux États-Unis lundi men côté nous té dans jeudi on mettait nous dehors. À côté pas non bah personnel nous té à un cousin nous mais mon yo té un problème avec cousin nous et puis nous même nous tout dehors. Nous songe même lui on parle dans Walmart avec chercher côté pour nous dormir nous même à l'inscrit dans un shelter. It was tough, man. C'est là ça moi. But I'm apprendre, man. It's not always what you think it is. You know what I mean? Gan pile de fois nous penser nous connait ça là et nous penser que nous et comme si nous même pas invitant de l'autre monde parce que nous juste très sûr de ça nous penser but when you face the reality it's c'est pas toujours même bagarre. C'est une plus gros expérience que me fait. C'est une plus gros plus bon expérience me fait tout parce que ça t'est venu bon racine que me pas bien, c'est une raison qui fait me dire bon there's no way I'm not gonna make it parce que get the experience, get the humiliation prend pas qu'à ça vient bon un booster pour just to go 10 times harder than you know than usual. So it's like the plus gros expérience et plus gros leçon d'apprendre. Donc ça veut dire que non sens nous qu'a parlé n'a dit mauvaise expérience sur yo c'est eux même qui sont si et utiliser comme étant et leçon pour ça veut dire ces mauvaises expériences qui vraiment et shape ou bien tracer futur que ou gagner kounya
Donc, parce que nous même en pile fois, en pile jeune nous yo et surtout jeune qui en Haïti yo. Et ou qu'on est Haïti, l'aime dit ça parce que presque chaque jour l'on vit en Haïti, c'est mauvaise expérience dans le sens parce que il y a des opportunités que l'autre pays qui est un peu mieux avancé offre jeune yo qui Haïti pas offre jeune nous yo. Donc ça veut dire que n'a vive au jour le jour mauvaise expérience chaque jour nous capable rencontrer dans la vie nous. Donc ça ou même pour leçon c'est que pas quitter mauvaise expérience ou yo vraiment vrai tracer vie non manière négative. Ça veut dire ou ca utiliser pour tracer vie non manière positive pour peut-être venir un modèle ou bien juste un modèle pour tout et modèle pour l'autre monde dans la vie non. Donc en gros ça veut dire en gros c'est ça ou vous voulez, c'est pas vrai? Yeah, absolutely, évidemment. Okay. Et même, j'ai avant moi, comment c'est business en Haïti, sandwich compagnie, j'ai 15-16 ans, c'est parce que j'étais dans une situation, j'ai dit non, j'étais levé à Kaé, montré pour Prince à vivre avec Somme, mais maman était toujours à Kaé dans la misère, elle me dit bon, faut me chercher une façon pour me capable retirer maman dans la misère, et puis elle a commencé à vendre sandwich dans la classe. Moi, j'ai commencé à 13 sandwich. Et dans moins que 3 mois, je vais vendre 5 à 600 sandwichs par jour, dans 15 à 17 à l'école. So, c'est toute une situation difficile. Ça a toujours bam, des idées, des idées de créativité pour me créer un bagage pour me retirer de tête ou bien faire dans des situations difficiles. Et je trouve que tout le monde apprend de façon différente. Moi-même, toujours apprendre plus de. Dans des situations difficiles. Si on m'a une humiliation, j'ai toujours dit que je fais tout ça capable pour ne pas jamais tourner dans une situation sans encore. So I go 10 times harder. So, but game on qui apprend de façon difficile. Yeah. OK. Bamkou pose une question de yon baye ka passé à Haïti dans moment là qu'on y a. Nous gen pile jeune qui finit l'école, qui c'est universitaire ou bien qui na université. A pile nan jeune sa yo, yo lagé nan revend produit qui sorti en Chine. Yo lagé nan revend produit qui sorti en Chine sur Facebook, sur Twitter, et même Instagram. Il y a pile nan jeune sa yo tout qui fait manger la caillou, qui offre et moun k'ap suiv yo manger sa yo et puis moun sa yo acheter manger sa yo nan men yo faire livraison tout ça. A pile nan jeune sa yo fait ça, moi connais un pile que m'pa peut-être citer non dit rien de yo. En gros à cause des parcours qui t'a vendu sandwich et qu'on t'arrive pour n'y a qui pis gros conseil que au cas où jeune ça a connu à qu'a fait ça parce que grand pile nous connais presque toute bagarre contre nous dans moment nous grand pile mon moi qu'a parlé au mal qu'a dit oh jeune universitaire qu'on y a lagué dans vendre manger lagué dans ceci lagué dans ça il va prendre ceci il va prendre c'est l'autre bon qu'on y a c'est manger avant c'est bikini avant ceci c'est l'autre bon avant qui pis gros conseil au cas où jeune ça a fait ça dans moment là et pour résister à critique qui apprécie voir qu'on a. Bon, premièrement, je pense que si un jeune, surtout un jeune qui gradue dans l'université, avant de manger ou de quelque chose, je pense que c'est son gros bagage qui a inspiré tout le monde. Le premier bagage, je dis, c'est que faut nous féliciter, jeune, ça aussi. Parce que quelque chose ça va faire, dès que c'est pour un bagage illégal, si vous jeune pour faire un bagage pour capable mettre manger dans la plate la caille ou pour capable supporter famille, ben c'est son bagage pour nous apprécier. Mais malheureusement, dans la communauté haïtienne, nous avons des gens, et comme si on a des gens qui marchent manger, on a des gens qui ceci. Mais en réalité, pas de différence à un marchand manger avec Facebook. Parce que même les gens qui vont manger, si les gens mettent dans la tête, li, que ce n'est pas marché de manger, les gens sont businessmen, ils sont businesswomen. Avec les gens qui ont commencé à vendre, on a 7 manger dans 2 jours, 20-10, dans 3 jours, ils ont ouvert un petit tonnel. Dans 3 mois, ils ont ouvert un petit tonnel. Dans 2 ans, ils ont ouvert un restaurant. Dans 3 ans, ils ont ouvert un deuxième. C'est-à-dire, le premier bagage, c'est la mentalité. Quelque chose que ça va faire, même si c'est manger, même si c'est de l'eau à vendre, il faut mettre dans la tête. Mm-hmm. C'est pas on dégage bah frère, this is a business. Business, exactement. C'est this is a business, même si c'est on low à 20 par jour, c'est on faut maintenant tête c'est on business lié pour continuer à apprendre tout ça capable apprendre en façon dans 2 semaines pour capable pile et dans 3 semaines pour capable pile. Donc c'est il commence son bah mentalier premièrement parce que
en pile moun, même ici nous quoi nous en pile haïtien qui a fait business comme si nous trouvait il dit il faut dégager non parce que si nous regardons les gens Amazon de commencer Amazon c'est livre just de sortir just à vendre quelle différence qu'il y a au monde qui va nous manger à au monde qui va nous livre c'est même bagarre là c'est mentalité à pas ouais tout le temps qu'on au monde qui a fait dégager mais businessman qui a cherché moyen pour protéger et pour bail et supporter famille so on pense c'est son bagage pour nous admirer et pour nous encourager. Yeah, ça fait tout ça c'est parce que nous connaissons un système non en les complexes monde, les complexes monde appel surtout en Haïti parce que jeune n'a pas qu'un comme si yo toujours a besoin payant pas une opportunité mais au moins yo pas créer opportunité, hein. Yo pas connait jeune n'a pas commencé avec un petit vendre ti manger à la puis demain ka gon restaurant qui gagne 5 6 7 mon a travail ou pas connait jeune là qui doit vendre quelques produits qui sorti en Chine et puis demain si Dieu ça arrive il gagne et 6 7 mon a travail dans boutique par exemple ou même non ça sauté commencer comme ça et ou t'ai parlé tout à l'heure qui gagne une organisation en Haïti qui peut-être nous pas gagne trop temps mais nous t'a vraiment dit non petit classe c'est lui est-ce que gagne mon a travail dans organisation qui sort fait exactement. Oui, ça, nous créons une organisation 3 ans de cela. C'est même de trouver que moi, je suis un monde qui croit dans le bon Dieu, je suis un monde qui saute loin, en pile. Comme je dis, nous saute loin, même, like, pas de cabre de l'eau, pas de cabre manger. So, je trouve que dans la situation aujourd'hui, que je suis un pile de monde qui aide, je suis un pile de bénédiction. Et maintenant, tellement que toute porte ça au bon Dieu ouvert pour moi, c'est pour me capable tourner à ouvrir porte pour l'autre monde, surtout pour l'autre jeune qui est dans la situation que j'étais avant. C'est ça qui fait nous créer organisation, ça qui fait des What If Haïti, ça nous fait en Haïti, nous supporter un peu de jeunes qui ont une idée pour faire business ou bien jeunes qui commencent à faire business, qui n'ont pas assez de ressources. Quand nous baillons au COB, chaque année nous faisons compétition. Jeune vient présenter idéo année dernière nous avons deux gagnants premier gagnant nous avons $1,000 américains deuxième gagnant nous avons $500 en façon pour capable faire business créer business ou bien agrandir position bon, c'est ouais. Même mentalité ça me te souhaiter que les en misé Haïti me te souhaiter que en série de encadrement que nous pas joindre nous trouver que bon Dieu mette dans situation avec travail moi avec toutes les choses que me gagne une chose les partager essayer une bagarre et conseiller que même captant des podcasts ça nous pas obligé millionnaire, nous pas obligé un gros ceci cela pour nous aider dans quelque soit situation, on peut toujours aider au monde et même si on aide au monde ça a quand une opportunité pour aider on l'autre et aider on l'autre. Yep. Toute yep. Opportunité me gagne c'est on seul qui dépend prendre à carrière mais tu pas au prince, des pas au prince qui bon opportunité pour me venir aux États-Unis et à opportunité c'est ça que je jeune dans au monde, on créer une organisation qui aide des centaines de jeunes que même aux États-Unis n'a pas plus travail. So ben c'est que nous tout capteurs de podcast ça maintenant tête donc change grand pire changement que nous voulons ouais dans communauté à nous même quand mettre dans ça pour commencer faire travail là et ouais changement ça bon bagage Borderman bon bagage so nous connais et j'en t'ai parlé d'ailleurs ou gagner une plateforme talk to e côté web faire review books by ça on va parler dès qu'ils ont apprendre yo qui livre dans moment là ou appli là. C'est un moment là, m'a fait commencer un livre hier qui est The Case for Christ. Son livre, j'aime dire, nous sommes un qui était élevé vraiment religieux, mais malheureusement, dans la culture haïtienne, il y a une question qu'on va poser quand il s'agit de religion, de Jésus. At least moi-même, je ne vais pas poser parents, mais une question. Comme si, nous toujours appelé le livre là. L'homme petit monde, t'as prêché l'autre petit monde dans l'église à l'âge de 12, 13 ans, de gain. Gaspo groupe. Moi, j'étais vraiment intéressé et levé dans l'église, mais grand pile question de gain, pas de jambes, de réponse. Et de jour en jour, je grandi, je viens plus de questions. Je voulais apprendre des facts, je voulais apprendre des bagages qui pas trop religieux, juste des facts. What happened? Qui est Jésus? Et pour qui ça? Qui ça Christianity? Qui ceci, cela? Je voulais apprendre en façon pour capable joindre fait moins bas parce que dans quel bagage j'aime dire que Bible dit que j'ai des difficultés avec eux, donc je voulais apprendre plus. C'est lui ça m'a plu d'abord qui est The Case for Christ. C'est un écrivain, c'est un journaliste qui était en pile d'autres, même Jean-Aven, qui te dit ok, qu'il a le fait aux choses, qu'il a l'archive pour lui ça qui est passé et puis lui écrit ça. So I'm excited to read it. Définitivement, m'a fait une vidéo, l'aime finir, m'a fait une vidéo pour me poster de talk to it.
sur toute audience là qui a une chance pour capable voir vidéo ça et puis capable commenter faire comme ça ou penser et tout ça. Bon bagay, bon pam. N'a pas avancé rapide vite. L'on pas fait tout bagay ça, l'on pas dans travail, l'on pas li qui sont fait for fun man. Moi jouer. Moi couri en pile, moi mais couri. Moi couri, moi j'ai guitare tout, l'aime stress, moi aller petit guitare, ba un petit coupé pleurer. Oh j'ai guitare, waouh. Yeah, j'ai petit guitare, sympathement Emmanuel l'année passée et na décalé on na été texte vite. Tu sais t'as pété chier moi, là c'est la chou la pour dire nous. Alors couri. Yeah. Yo, ou konnen bat kon si mi se tenan Tech Summit la men? Mi se etan ba, e mi espere mi se la an oktob lan to. Mi espere ou la. Ou gen plan, Emmanuel? Si kon nan ban chanson? Yeah, nap kontinye mounen, nap gade pou nou konmen situasyon ya avek Corona. E pi si Corona ban nou chans nan, e pi definitivman, se te yon bel inisiativ, bel nan pren apil, kapil ba. So, si yon moun la ta vle e konekte avek ou men, e ta vle pou tout bel information sur cette balade avec connecté avant et qui côté a joindre sur là. Vous êtes capable joindre moi sur Instagram talk to e c'est T A L K numéro 2 et puis e et puis vous êtes capable joindre nous sur page Watif IT Instagram et Facebook Watif IT capable connecter si on monde veut apprendre plus de travail en affaire si on monde veut get involved tout vous êtes capable joindre nous sur watifhaiti.org ou bien Instagram talk to e Instagram Watif Haiti. Bon bagay, bode, bon bagay. Emmanuel, c'est ton plaisir, men, pour nous te gagner dans la plateforme, non, et pour te venir parler de histoire, ou venir parler de parcours, men. Et me souhaiter, moun, qui parle tant de là, capable d'apprendre en pile, de où, et puis parler apprendre tout, et dans tout ça, et information sur le bayo. Jude Luther, merci parce que nous te gagner sur la plateforme, non, vraiment apprécié l'invitation, et puis m'exciter pour m'apprendre de l'autre guest New York. Nous sommes gros fanatiques de podcast là. Bel travail, monsieur. Bon, Kembela. Merci un peu. C'était un plaisir pour nous. Emmanuel. Nous souhaitons passer en bonne journée. Ok, merci, you guys. Stay safe. Mettez masque, lavez main, corona, beaucoup de fumée. Bon bagay. C'était avec vous, amis pour lutter avec Jude. Mes amis, pas oublier, connecté. Avec nous sous Apple Podcast, nous sous YouTube Kounia pour tout le monde qui t'a plein yo. Et puis tout connecté avec nous nos social media Facebook, Instagram et juste taper Kourim Podcast et ba nous feedback ou et puis et ciao. Thanks guys.